dans cette séance, nous avons affaire à une distance, à calculer une longueur dans un rectangle. Comme nous le voyons tous devant nous, il y a un rectangle qui a pour longueur 4 et pour largeur 3. Alors ici, c'est la diagonale. La diagonale, donc si je fais, c'est la projection orthogonale. Et si je fais la projection orthogonale sur la diagonale ici, alors je trouve une distance, une longueur que j'appelle x. Donc c'est la question, c'est notre question. Donc on cherche à calculer cette longueur x. Donc on va répondre tout de suite à la réponse. Donc, on va passer au calcul de la valeur de x. Donc, nous avons le schéma devant nous. Alors, la largeur, c'est 3, la longueur, c'est 4. Alors, je vais nommer, ou bien noter, cette distance qui est égale à A. C'est là qui est égale à B. Alors, c'est là, c'est x. Donc, je sais bien que cette longueur est égale à celle-là par symétrie. De même, A, c'est ici par symétrie. Alors, je vais... Donc, dans notre rectangle, on a la diagonale est égale à 5 parce que, d'après Pythagore, théorème de Pythagore, on a 4 carrés plus 3 carrés est égal à 16 plus 9 est égal à 25 est égal à 5 au carré. Donc, ça, c'est un triangle. Donc, il y a ici un angle droit. Donc, 3 au carré plus 4 au carré est égal à cette distance au carré, d'après Pythagore. Donc, ça, c'est bien connu, c'est 5. Donc, je passe à autre chose. D'après le théorème de Pythagore aussi, on a, sur ce triangle-là qui est rectangle, on a A carré plus B carré est égal à 3 carrés. Donc, c'est égal à 9. Et on a encore ici, sur ce rectangle qui est rectangle, ce triangle qui est rectangle, on a X plus A au carré plus B carré est égal, l'hypoténuse au carré, donc c'est 4 au carré est égal à 16. Et on a de plus, comme vous le voyez devant nous, on a A plus X plus A, c'est égal à 2A plus X, c'est égal à la longueur de la diagonale qui est égale à 5. Bien, donc nous avons ici trois équations. X plus 2A est égal à 5, A carré plus B carré est égal à 9, et puis A plus X carré plus B carré est égal à 16. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la valeur de x. Voilà, puisqu'on a x plus 2a est égal à 5, alors on a a est égal à 5 moins x sur 2. Et je fais cette équation, la troisième équation, moins la deuxième, donc c'est a plus x carré plus b carré, moins a carré plus b carré, c'est égal à 16, moins 9 est égal à 7. Je simplifie b carré avec b carré, il me reste a plus x carré moins a carré est égal à 7. Par suite, j'effectue ici, c'est un détail remarquable, donc c'est a carré plus 2ax plus x carré moins a carré est égal à 7. Je simplifie a carré avec a carré, il me reste 2ax plus x carré est égal à 7. Donc on a 2ax plus x carré est égal à 7. Voilà. Donc, nous sommes ici pour calculer cette valeur de x. Alors, si on la laisse comme ça, on va penser qu'on va utiliser l'équation de second degré, mais c'est faux, ce n'est pas ça. On a a qui dépend de x. Alors, a est écrit en fonction de x. Donc, on va remplacer a par sa valeur en fonction de x. Donc, on passe à la dernière étape. Alors, on a a est égal à 5 moins x sur 2 et 2ax plus x carré est égal à 7. Je vais donc remplacer a par sa valeur. Alors, 2 fois 5 moins x sur 2 fois x plus x carré est égal à 7. Je simplifie 2 par 2. Donc, il me reste 5 moins x fois x plus x carré est égal à 7. Ici encore, j'effectue, alors je développe, 5 fois x
moins x fois x, c'est x carré, plus x carré est égal à 7. Bien, je simplifie x carré avec x carré, il me reste 5x est égal à 7. Voilà. Voilà, donc ici, on a donc l'équation 5x est égal à 7. Bien, donc ici, on a x est égal à 7 sur 5. Alors, je multiplie par 2, 2, ça me donne 14 sur 10, donc c'est 1,4. Donc, le résultat, c'est x est égal à 1,4. Voilà, donc on a passé aux étapes. Donc ici, ça termine notre vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. On a répondu à la question x est égal donc à 1,4. Donc cette valeur-là, elle est égale à 1,4. Si on a ici 3, 4, alors ici c'est 1,4. Si on a ici 3 mètres, c'est 4 mètres. Donc ça, c'est 1,4 mètres. Bien, donc je vous souhaite bonne compréhension pour cette séance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.